Qu'est-ce qu'une bonne soirée de télévision pour vous, téléspectateurs, qui nous faites l'amitié de nous regarder tous les vendredis? On peut imaginer que en solitaire ou en amoureux, en famille, avec les enfants, avec le chien, le chat, un bon verre à la main, bien au chaud, vous savourez votre émission préférée. Qu'est-ce qu'une mauvaise soirée pour les candidats de Fort Boyard? Eh bien, c'est d'abord s'attaquer aux éléments déchaînés comme ce soir, c'est se trouver face à un perforat de mauvaise humeur, à des araignées excitées, c'est se trouver aussi face à un vendeur d'indice complètement fou, et être transi et trempé jusqu'aux os que les tigres ont bien voulu leur laisser. Voilà ce que ça peut être. Bonsoir Patrice. Salut. Mais il pleut. Ah bah oui, il pleut. J'espère que vous n'allez pas fondre. En venant à Fort Boyard, ils ont compris qu'ils vivraient une grande aventure. Je vous présente l'équipe des aventuriers. Ils viennent de Grenoble. Belle ville. Le capitaine, Eric, qui fait un DEA de mécanique, suivi de Laetitia, qui a fait un BTS tourisme, Nathalie, qui est horticultrice, qui travaille au Sémagref, à Grenoble, j'imagine. Elle pourrait vous soigner, j'ai une belle plante. Merci, c'est voilà. Gentil. Ça commence bien ce soir. Oui. Ensuite, Pierre-Yves, qui est ingénieur informaticien, et Roland, qui est étudiant pour lui aussi devenir ingénieur. Leur point commun, c'est l'escalade. Ce sont des grimpeurs, ils partent tous ensemble dans les environs de Grenoble, escalader les montagnes. Espérons qu'il y en aura ce soir. Peut-être. Ça, on ne sait pas. L'intellectuel s'appelle Fabrice, il est technico-commercial, il vend des ordinateurs. Il est parti rejoindre le Perfoura, en Vigie. Le plongeur, c'est Pierre-Yves, on va descendre tout de suite. A voilà. Tout à l'heure, Pierre-Yves, voilà. Je vous souhaite une bonne mer, si j'ose Merci. Dire. Vous connaissez mon camarade Passepartout? Oui. C'est mon ami, c'est l'homme au flambeau, surtout que nous sommes depuis de nuit, hein? D'accord. Alors, tu vas aller te préparer, mon petit Passepartout. Vous avez des questions à poser? Non, ça va. Aucune? Non. Vous savez qu'il faut cette clé? Cette clé, ouais. Vous savez okay. Qu'il faut des indices? Oui. Vous savez qu'il faut un mot-code? Le maximum. Vous savez qu'après, vous pouvez prendre un peu d'argent? Oui. Vous en avez envie? Oui. Pas trop froid? C'est non, terrible non, ce non. Soir, vous prenez non. Je vous préviens. Bon, vous avez 65 minutes, avec, ça hein. Vous le savez aussi. 65 minutes matérialisées par le coup de gong que Passepartout donne tout de suite. Voilà. Et le plan de votre premier parcours, avant les aventures, les cellules, c'est le Perfoura qui le détient. Et c'est votre camarade qui va lui arracher, si j'ose dire. À vous, Perfoura. Regardez, jeune homme. La mer remue sans cesse, mais ne garde aucun pli. Ah, quelle leçon, n'est-ce pas? Voici votre énigme. Au Fort Boyard, il réveillait la garnison et les força en prison, bien qu'il n'ait pas de piston. Qui est-il? Le clairon. Le clairon, mais bien sûr. Le clairon qui joue votre sonner, ouais. Victoire. Bravo. Merci, Père Fouin. J'espère pour vous que cette flamme que porte mon ami Passepartout vous anime aussi. Pour cette première épreuve, il me faut une femme. Allez, Laetitia. Allez, courage. Avant d'y aller, j'aimerais vous dire simplement que la plupart des petites filles, jeunes petites filles, des enfants qui regardent cette émission, vraisemblablement, si elles avaient cette épreuve à faire, la rempliraient mieux que vous. J'en suis pratiquement persuadé. Ça va? Très bien. Pas besoin d'aller à la mer. Parce il a évité le pire. La sélection ce a soir, été formidable. C'est vrai, la mer merci. Est déchaînée. Bravo. Ça, c'est le parcours. Je vais le compulser pendant que vous serez en train de faire cette épreuve et je vous rejoindrai à la prochaine dans les médias. La première clé, elle est derrière cette porte. À vous. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, on peut voir où? Là. Allez. Allez, Laetitia, tu balances. Il ne faut pas qu'il se mette debout, là. Est-ce que... Ouais. Qui la conseille, Eric? Tu peux prendre la porte? Dis-lui de s'asseoir. Assieds-toi, prends des lents, ouais. Prends des lents, vas-y. Prends des lents. Et après, tu t'assois. Ouais. Alors, dis-lui de s'asseoir. Assieds-toi maintenant, vite. C'est pas prudent, voilà. Assieds-toi. Vas-y, prends des lents, vas-y. Prends des lents. Oui, ouais. Doucement, doucement. Ah, doucement. Oh là là, quelle force. Doucement, Laetitia. Doucement avec le pied, ouais. Hein, oui. Ouais, ouais, c'est bien. Vas-y. Vas-y, Laetitia, hein. Oui. Ouais, ouais, c'est bien, c'est ça. Prends des lents, c'est bon. La capside, c'est bon.
Encore un peu d'élan, vas-y. Elle est presque là, encore un petit peu d'élan. C'est pas le temps, on est temps. Ouais, t'as le temps, hein. Allez. Avec le pied, on a dit, éventuellement, hein. Ouais, c'est bien, comme ça continue. Allez. Ouais, oui. Allez, t'as le temps. Allez, vas-y. Voilà, c'est le bon. Je reste calme, c'est parfait, hein. Ouais, calme-toi, hein. Moitié du temps, Laetitia. Vas-y. Vas-y. Elle a le temps, là, il ne faut pas s'affoler. Elle a le temps, Laetitia. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Vas-y, Laetitia. Là, on se calme les enfants. Première épreuve, première clé, c'est bien joué, bien parti. Tu fais de la balançoire depuis longtemps? Oh, toujours. Ouais, ça se voit, vous êtes bien parti. Je vous rappelle que vous avez 7 clés à gagner le plus rapidement possible. On est d'accord? D'accord. Vous me semblez bien là. On continue, on vous suit, Dédé et Alain, Passepartout et Alain, on vous suit. Ouais. L'homme est un loup pour l'homme, comme pourrait dire le père Fourat dans une de ses fameuses pensées du jour. Là, nous allons piéger l'homme comme on piège un animal dans ce fameux filet africain. Vous savez que ça fait mal. Alors ? On l'a eu, docteur. On l'a eu ? Oui. Ça marche trop bien, ça m'inquiète. Ça marche trop bien. Là, il faut un homme. Allez, on change de rôle. Il faut un homme, il faut un homme souple et qui n'ait pas peur de... Attends, je ne peux pas en dire plus, je vous en prie, Sophie. Voilà. Oh. Un petit coin de paradis, sous un coin de parapluie. Alors, c'est vous? Écartez-vous les flambeaux. Peut-être la deuxième clé, mais je ne le souhaite pas, je vous le dis tout de suite. Attention, attention. Et tu surveilles, il y a une petite cidre. Eh, vas-y, viens. Vas-y, à costaud. Monte. Ouais. Allez, ouais, bon. Vas-y. Il est extrêmement costaud. Ouais, vas-y, Pierre, ouais, calme-toi. Vas-y. Ouais, tu vas l'avoir. C'est Pierre, c'est bon au niveau du temps, hein. Quelle force dans les bras. Vas-y. Ouais, il est péchu, hein. Péchu. Il fait de la musculation. Non, c'est un bon grimpeur, par contre. Allez, sors les bras. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah, il ne faut pas laisser la clé dans le filet, hein. Vas-y. Sors, Pierre-Yves, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais, 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 c'est bon. Bravo. Ouais. Super. Vous êtes bon, vous êtes bon. Là, je le sens très, très bien. C'est bien parti. Impression, Pierre-Yves? C'est physique, ça va vite, quoi. C'est... Ça a l'air facile parce que tu parles que t'es un bon grimpeur, donc t'as l'habitude de t'appuyer sur tes avant-bras. Ouais, ouais. Bon, ben c'est parfait, hein, je suis contente de vous. Il reste un peu plus de 59 minutes, tout va bien. Oh là là, oh là, là, je vais me faire brûler là. On y va? Allez, on y va. Deux. Deux épreuves, deux clés. On ne peut pas faire mieux. Hein. Ça va trop vite, ça m'inquiète. L'humidité ambiante m'incite à faire des citations. L'homme n'est pas fait pour le travail. La preuve, c'est que ça le fatigue, disait Voltaire. Vous connaissiez ça? C'est Voltaire qui disait ça. C'est Voltaire. Et ici, à Fort-Boyard, il va falloir prouver le contraire. Il faut un homme. Ouais. Qui a envie de travailler. Qui a envie de travailler. Oui. Allez, dépêchez-vous. Oui. Travail, c'est Roland. Et entre parenthèses, c'est la santé. Allez Roland, c'est la santé. Allez Roland. Allez Roland. Allez Roland. Vas-y. Allez Roland. Vas-y Roland. Hein. Tu pars du début Roland. Tu pars du début Roland. Roland part du début. Du début non, t'inquiète. Roland. Part du début pour dévisser. Du début. Ouais, dévisser. Bon, vas-y, c'est bon Roland. Eric. Quand tu savais en mécanique, tu aurais peut-être été meilleur. Oui, mais... Bon, il est un petit peu lent là. Il faut qu'il parte. Écoutez-moi, il faudrait qu'il parte du début de la chaîne et qu'il essaie d'en ouvrir un maximum. Mais Roland, part du début de la chaîne. Tu pars du début de la chaîne, tu en ouvres un maximum. Voilà, là ça va mieux. Ouais, c'est bon, comme ça. Non, ça, laisse
tomber, si j'arrive pas. Il est plus fort. Là, c'est bien, comme okay. Ça. Il a pris un rythme. Bon rayon. Il reste la moitié. Roland, moitié du temps. Moitié. Allez, il ne faut pas faiblir, là. Ah, vas-y, allez, Roland, c'est bon. Allez, Roland. C'est allez. Bon, là. Allez. Vas-y. Oui, c'est bon. C'est bon. Allez. Il a vu, je crois. Deux tiers du temps. Deux tiers, ouais. Deux tiers. Je crois qu'il a, il a aperçu la clé. Super. Bon, alors là, vous êtes en train de pulvériser tous les records d'épreuves. Ça marche très très bien. Ça fait la troisième épreuve, troisième clé. Il reste un peu plus de 56 minutes. Mon petit Patrice, remettez-vous. Ça va se passer. Ça va aller. Je suis fou de rage. D'autant plus que votre intellectuel qui a été brillant la première fois va vraisemblablement l'être la seconde, ce qui ferait la quatrième clé. Nous sommes paniqués. À vous, Pierre-Froid. Constituer pour le moins une équipe vraiment étonnante. C'est vrai. Et vous-même avez l'air si déterminé. Écoutez, il est le plus souvent petit, mais sa couleur varie. S'il est sur la peau, il devient l'antigo. Qui est-il? Je réponds. Un caméléon? Non. Il est le plus souvent petit, mais sa couleur varie. S'il est sur la peau, il devient l'antigo. L'antigo? Qui est-il? Le bracelet? Non. Le collier? Arrive à aller à l'eau. C'était le grain. Oui, l'antigo étant le terme médical du grain de beauté. Ah, dommage. Attention, attention. Ton camarade a été bon sur la première énigme. À toi tu es maintenant. Attention, la mer est très forte, on a préféré t'assurer. Quand tu veux, tu peux sauter, il y a suffisamment de fond là. Allez, vas-y, Pierre. Waouh! Attention aux vagues, hein, elles sont fortes. Voilà, c'est un tour de filet. Allez, il faut y aller, Pierre-Yves, là, le temps passe. Voilà, c'est bien. Encore quelques mètres, ça va? Ne perds surtout pas la clé. Voilà, ça va? Alors, pas trop froid? Tu avais déjà nagé dans une mer démontée comme ça? Ouais, c'est froid. Allez. Votre camarade plongeur s'est mouillé pour la bonne cause, puisque vous avez, si je ne m'abuse, quatre clés. Génial. Et ça vous fait rire. Voilà. Ne me narguez pas, s'il vous plaît, Sophie. Ne me narguez pas avec ces clés. Hein. Elle n'était pas trop froide? Un peu, quand même. Plus il y en a sur l'espèce de truc de passe-partout, plus ça me... Non, mais moi, je suis pas là pour... quoi qu'ils sont follement sympathiques, mais bon. Là, eh ben, écoutez, puisque c'est comme ça, je vous dirai rien du tout. Il faut un homme ou une femme, débrouillez-vous. Vous y allez? Allez, j'y vais. Bon, d'accord. Bien, si on vous donne ça, ça va vous donner peut-être une indication maintenant. Je suis droitier, moi. Tu es droitier? Ouais. Je sais rien, moi non plus. Peut-être pas ça souvent, Sophie. Hein. Eh ben non. Hein? On va tout faire. Hein. Ça, mais... Oui, oh. Allons-y, ma petite Sophie, allons-y, s'il vous plaît. Oh là là là.
Espérons que votre homme ne se blessera jamais, parce que je vais vous dire, le temps que vous lui fassiez un garrot, il sera mort. Ça va. Allez, vite. Allez. Un peu plus de 52 minutes. Bon, là, c'est Jeanne. Ok. Allez, vas-y, hein. Allez, moi, j'y vais, hein. Tu te concentres. Je me concentre, ouais. Voilà. Tu te concentres, hein. Tu as le temps, bras, non. Ok. C'est bien, allez, t'as le temps. Hein. Là, il va trop vite. Non, tu vas trop vite, Eric. Tu vas trop vite. Tu te concentres. T'as tout le temps. Tu vas doucement, Eric. C'est bon. Ok, ok. Tu peux absolument viser la cible. Tu prends le temps de viser. Le temps. Ok. C'est bien. Pour la force, c'est bon. Hein. Ok, ouais, je ne vais pas plus fort. Non, c'est trop vite encore. Il a prends ton temps, Eric. C'est toujours un peu trop à gauche. Ok, ouais, ok, c'est ce que je vois. Ah. Ne vise pas suffisamment. Prends ton temps pour viser, Eric. Prends ton temps. Je prends mon temps pour viser. Allez, t'as encore des flèches, c'est bon. Pas de temps, là, hein. Oui. Ouais. Voilà, tu nous l'as refait, celle-là. Vise. Ouais, c'est super. Vas-y. Bravo. Ouais. Alors là, je partage votre joie. Franchement, vous êtes une équipe absolument exceptionnelle. Quatre cellules, quatre clés, c'est vraiment très très bien. Bravo, je vous félicite. Donc, c'est la cinquième clé, avec celle qui vient de ramener votre camarade. Comment vous vous sentez là, Eric? Ah, très bien, un petit critère. En avant! Tu avais déjà tiré à l'arc? Non, jamais. Jamais, c'est la première fois. C'est pas évident quand même. Hein. Bah, bravo, hein, c'est quand même. Au début, je visais vraiment trop à gauche. Ouais. Ah, j'ai vraiment misé à côté, quoi. Voilà, bon, un point sur le temps, il reste plus de 50 minutes et il vous reste 3 clés à gagner. Vous avez largement le temps. Non, hein. Non. Allez, on continue. Bravo. Presser les flambeaux, les voici à nouveau. Je vous préviens tout de suite que si vous avez la prochaine flèche, je quitte le fort en emportant les voyages. Non, d'accord. Là, le fort sans vous, c'est plus fort. Sophie, merci, vous méritez d'être sur Antenne 2. Je vous donnerai la note. Voilà. Vous pouvez me lâcher, on est copains. Merci. Là, je ne dirai rien de plus. Une femme ou un homme, point final. Vas-y, c'est bon. Attention. Thierry, c'est à quoi niveau du temps? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en prendre son temps, hein, la pêche. Ouais, tu dis, Nathalie, il faut être très calme, là. Oui, je sais. Alors, il va doucement. Elle est loin. T'énerve pas. Alors, Nathalie est horticultrice, donc elle doit aller à la pêche de temps en temps en faisant ses jardins, non? Ça va aller. Ok, Nathalie. Doucement, Nathalie. Tout doucement. Calme-toi. Oui, voilà. J'essaye de là. Tu attends que ça se balance plus. Oui, je sais. Voilà. Doucement, Nathalie. Non, mais je suis trop loin, là. Peut-être changer de rail. Voilà. Ouais, c'est bon. Tu changes juste de rail sur ta droite. Charge le rail sur ta droite. Ouh là là, il me semble qu'elle fait des gestes un petit peu brusques. Nathalie, tu y étais très très calme. Calme, Nathalie. Elle a des gestes trop brusques, il faut qu'elle aille tout doucement. Nathalie, va doucement. Ouais, mais ça bouge. Elle tremble un peu. C'est l'émotion. Essaye de passer derrière, Nathalie. Elle est un peu nerveuse, non, votre copine? Le temps, il reste moins. Deux tiers du temps, Nathalie. Enfin, dis-lui qu'il reste moins d'un tiers, c'est plus clair. Moins d'un tiers. Mais calme-toi, hein. Elle est prête. Calme, Nathalie. Allez, c'est bien, allez. C'est bien, vas-y. Presque, Nathalie. Il faut mieux sortir, je pense.
sort. Attention, sort, 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 sort. Ok. Oh, Nathalie, c'est pas pour moi, je suis trop nerveuse. Tu es nerveuse dans la vie? Très nerveuse. Ouais. Pourtant, je pensais qu'en étant horticultrice, ça avait le temps d'aller à la canne à pêche. Ben non, non, je suis pas du tout pêcheuse et très très nerveuse. Bon, Passepartout, tu peux me prêter l'équipe? Je crois que je fais une petite erreur. En fait, il y en a 5, donc il en reste que 2 à gagner. Ouais. Petit point sur le temps. Vous avez plus de 47 minutes pour gagner ces 2 dernières clés. Je devrais y aller. Hein, Eric, un conseil à ton équipe? Admirez le remarquable profil de Bras d'Acier. Vous savez que la dernière fois que Bras d'Acier a tapé dans le dos d'un des habitants du fort, comme ça, il a perdu toutes ses dents. Heureusement que ce n'était pas le père Foura. Notre Bras d'Acier est en pleine forme, ça promet. Vous n'avez pas eu la clé sur la grille, hein? Ah non. Oh, et vous n'allez pas avoir. Je viens de vérifier, il me faut l'homme fort sans problème. Allez, Roland. Je vous en prie, entrez et ayez peur dès le début. Roland, le diable, tu sors là. Ta main, Roland. Vas-y. Roland, ta main. Ta main, fais la grille. Allez. Sors la merde, Roland. Allez, Roland. Vas-y, Roland, c'est bon. Pourtant, je me suis entraîné. Je crois que là, les adversaires n'étaient pas de taille. Ouais, c'est ça. Vous étiez très bien parti, là, et puis la petite baisse de régime. Maintenant, on va y aller encore. C'est pas fini. Hein. Rien d'affolant. Je vous rappelle qu'il vous reste 2 clés à obtenir. Un petit point sur le temps, un petit peu plus de 44 minutes. Ça va? Vous ne perdez pas votre confiance, là. Maintenant, c'est bon. On passe partout. On se suit. On est prêts. Ben non, je l'avais dopé, Bras d'Acier, je vous l'avais dit. Cachez-vous, Sophie, vous n'aimez pas la pluie, vous savez. Non. Vous êtes comme un bonbon, vous êtes fondante. J'aime le soleil. Bien, cette épreuve appartient à une femme. Laquelle? Allez. Parce que je n'ai pas allez, eu la allez, Ventura. Alors, il suffit d'un, de deux ou de 3 coups de fil. Au bout de 3 coups de fil, la clé sera aux abonnés absents. Maintenant, on vous habille. Sophie, je n'ose pas le faire. C'est à vous de le faire rapidement. Peut-être là, quand même. Vite, vite, Nathalie. Mettez. Est-ce qu'un homme peut lui passer ça, un homme qu'il aimerait bien? Moi, je ne voudrais pas, je vais me faire attraper après. Allez, ça calme. Nathalie, attention. Tu
Il y aura fantôme. Le fantôme de Fort Boyard. Êtes-vous prête? Là, vous avez l'air d'être... au niveau de l'habillement, c'est pas votre truc, vous. Hein. Faites-vous voir, téléspectateurs, maintenant. Allez, Nathalie. Allez-y. Deux clés, je te rappelle. Allez, Nathalie. Tu vas doucement. Alors, en langage un petit peu plus clair, c'est au bout de trois. Si elle touche trois fois, la clé disparaîtra. Elle ne peut toucher que deux fois. Nathalie, tu touches que deux fois les filles. Après, on n'aura plus la clé. Le mieux, ce serait de ne pas toucher du tout. Touche pas les filles, c'est mieux. Hein. Bien comme ça, t'as le temps, c'est parfait. T'es bien parti comme ça, hein. Tu t'énerves pas en route. Ouais, ouais, mais... Prends ton temps. Doucement. C'est quoi cet accent, là? C'est un accent... C'est suisse? C'est pas l'accent de Grenoble? Ah, c'est pas grave. Attention, la prochaine fois... Calme-toi. J'ai pas trop où je l'ai touché. Bon, il faudrait qu'elle progresse, mais qu'elle progresse tout doucement, sans bien l'attention. Progresse tout doucement, Nathalie. Ouais. J'aurais peut-être intérêt à passer dessus. C'est la bonne vitesse, là. Ben, je vous rappelle qu'elle a quand même un parcours à effectuer. Mais il y en a de partout, là. Je suis obligée de toucher. Sans plus. Avance. Nathalie, oui. Moitié du temps. Moitié du temps. Ouais. Allez, parce que... Et doucement, hein. Attention. Oui. Ouais, c'est bien ça. Allez, elle progresse là, regardez le temps, il ne reste plus qu'un tiers. Un tiers du temps. Un tiers du temps. Il faut que je revienne aussi, il y en a plein. Oui, c'est ça, c'est la difficulté du jeu justement. Doucement. Non, mais c'est fou. Un quart du temps. Un quart du temps. C'est bon. T'es presque arrivé. Allez, il faut y aller. Faut tenter le tout pour le tout. Attention. Regardez. Voilà. Ouais, c'est trop tard. Passe partout. C'est trop tard. La clepsydre. C'est la clepsydre qui décide. Bon, première grande déception quand même pour cette émission. Hein, Eric? Non, mais on va motiver l'équipe. À l'avant! Bon, un petit peu plus de 40 minutes, que vous avez encore ces deux clés à gagner, il va falloir les gagner. Ça. Votre camarade est prisonnière, vous la retrouvez tout à l'heure. Dommage, on continue. Allez, on y prend encore. C'est bien. Comme le dirait l'excellent Jacques Dufilot, vous pouvez remarquer que tous les instruments qui décorent le plafond de cette cellule ne sont aucunement rouillés, protégés qu'ils sont par la sueur des candidats. Oh là, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses qui ne me réjouissent pas pour vous. La caméra est où? Merci, elle est là. Parce que je suis tout le temps le dos, ça commence à me... Hein? Je suis tout le temps le dos, finalement. La caméra est là, merci. Ça ne me réjouit pas du tout. Il faut un homme souple, fort, acrobate, tout ce qu'on veut, je ne sais plus. Je pense qu'on va ajouter Pierre-Yves. Hein. Pierre-Yves arrive. Il y a en pleine forme, Pierre-Yves. Je ne vous vois pas vraiment dans cette cellule, mais passez comme vous voulez. Hein. Attention. Allez-y, Pierre-Yves. Je vois des agrès au plafond, là, il faut que je passe. La clé est au bout. Okay. Pierre-Yves, tu te calmes. Hein. Tu te serres des pieds si tu es fatigué. Ouais, c'est un type d'escalade qu'on utilise souvent sur plomb. Pense à prendre des positions de repos si ça va pas, hein. Attention, il y a des pièges dans le parcours. Ah, dis-moi ça. Attention, il y a des pièges. Ouais, c'est bien comme ça, Pierre-Yves. Ouais. Génial. Attention à la barre, là. Ouais, super, ça. Allez, Pierre-Yves. Ouais. Tu peux te reposer si tu veux, là. Ça va autant que tu me dis. Ah, il est bien, là. Ouais, c'est bien, Pierre-Yves, là. Très bien. Continue parti. Comme ça, hein. Génial. Super. Allez, faut enchaîner.
Allez, enchaîne. C'est bon au niveau du temps, hein, de toute façon. Ouais, ouais, super ce que tu fais. Attends. C'est bon. Continue, Pierre. Continue, Pierre. Il souffle un petit peu. Ouais, là. Souffle, t'as raison, tu prends. C'est génial ce que tu fais. Ah, ouais, ouais, ouais. Super. Génial. À la fond, Pierre. Ouais, ouais. Ah, ouais. Allez. Mais tu sors vite, hein. Allez, ouais, ouais, ça. Bravo. Bravo, Pierre-Yves. Bravo Pierre-Yves, c'est, je le dis tout le temps parce que c'est vrai, c'est quand même l'une des épreuves les plus difficiles du fort. Tu as fait un parcours exceptionnel. On voit vraiment que vous êtes habitué à faire de l'escalade, hein. Ça se sent dans les avant-bras. Ça se sent dans les avant-bras. Comment tu l'as vécu ce parcours, toi? Fatigue, ça commençait à être long, quoi. Ça commençait à être long. J'ai failli me faire avoir par une espèce de barre qui descend, là je suis parti dessus, puis j'ai vu, je suis revenu. Ça fait partie des pièges boyardesques. Bon, c'est la sixième clé, il vous en manque une. Un petit point sur le temps, un peu plus de 37 minutes. Ça va, il faudrait l'avoir assez rapidement. Enfin, tout va bien, vous êtes très très bien parti. Je suis contente d'être avec vous, c'est bien. Bonne équipe, allez. Pierre Fourat, qui vous a admiré de sa vigie, m'a dit « Félicite cet homme ». Merci. Je le fais pour lui. Vous entendez le bruit de la mer? On entend surtout le bruit de la pluie qui fait des claquettes sur les... C'est joli ce que vous dites, Sophie, mais le bruit de la mer, vous entendez? Aussi. Vous connaissez la chanson? Le soleil, la mer et la pluie. Un homme fort. Un homme fort, mais je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de pratique, c'est Roland. Allez, Roland. Allez, Roland. Allez, Roland. Allez, monsieur Roland. C'est le roi de Raphaël. Roland, pense bien, t'as position de ta main au bord. Descends un peu. Ouais, super. Là. Vous êtes entraîné? Ouais, vous voyez, là. Hein? On a l'impression que vous avez pris des... C'est plus ça, du fond, Roland. C'est fort. Fort. Ouais, c'est bien, Roland. Pense à respirer, Roland. C'est très bien, Roland. Oh, Roland, c'est bien. Respire. Les tas de sable se font rares du côté de Grenoble, non? Oui, c'est surtout des tas de cailloux. Roland, respire. Ah ouais. Bien, Roland. C'est bien, Roland. Il ne faut pas qu'il oublie de regarder dans le tamis. Dans le tamis. Pousse un peu le sable, un peu, si tu veux. Je regarde le tamis de temps en temps. Ouais, 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 super. C'est bien pour tout ce que tu fais, là. Attention à bien regarder, parce qu'il y a des leurres, mais il y a le plaqué aussi, hein. Ouais. Voyons quand même que tu jettes dans le tamis. Allez, c'est bien. Tu gardes le rythme. T'as le temps, Roland. Respire. T'as un accent qui arrive. C'est quoi cet accent? C'est un accent dauphinois. C'est un accent dauphinois. Hein. Ouais, c'est bien, Roland. Respire quand même. Allez, il faut respirer, souffler. Sors le diable maintenant. C'est une épreuve d'endurance. Il faut tenir. Allez, t'as passé la moitié. Allez, tu mets la gomme. Ouais, continue, Roland. Il semble essouffler un petit peu. Là. Allez, Roland, pousse un peu le sable. Ouais. Restez un pont, accélère. Tu restes un tiers, un tiers, un tiers. Allez, un petit peu de chance. Allez, Roland. Allez. Allez, vas-y. Allez, Roland. Allez. Allez, essaie de prendre la chance un peu. Ça, c'est facile à dire. Attention, on est à fond, à fond. À fond, vas-y, vas-y. Tu sors, 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 sors. Sors. Oh là là. Ça va être dur, hein. Il transpire. Je suis pas content. Allez, reprends ta respiration. Alors, t'es pas content, hein. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à prendre le rythme. C'est fait. J'ai pas l'impression d'en avoir enlevé beaucoup. Mais bon, il reste encore. Bon, allez, c'est plus qu'un mauvais souvenir, un peu plus 32 minutes, une dernière clé à gagner. Vous y croyez quand même, voilà, à cette dernière clé? Voilà, là, du... Passe partout, par là.
dernière clé a tenu, si j'ose dire, à un grain de sable. Il y en a quelques-uns. Ça s'est enrayé. Ouais, mais ils ont un petit grain de folie qui fait que... Vous aussi, dans votre œil coquin ce soir, j'ai l'impression que la pluie vous plaît, ma chère Sophie. Non. Cher ami, c'est à vous, peut-être, qu'il appartient de rapporter cette dernière clé. Vous n'avez peur de rien, j'espère. De rien du tout, même des choses désagréables. Même des choses désagréables. Je vous en prie, Laetitia, c'est votre prénom. Allez, allez, Laetitia. Tu fous le nez au fond, hein. Allez, tu vas carrément. Tu vas carrément, tu mets bien la main au fond. Ça va, le... Allez, Laetitia. T'as peur de rien. Elle a pas trop la phobie des petits animaux bizarres. Non. Allez, t'as bien une petite peine. Parce qu'il y a de tout au fond de ces... Allez, Laetitia. Il y a de tout, même des clés. Fouille bien, fouille bien. Fouille bien au fond, Laetitia. Demande-lui ce qu'il y a au fond, déjà. Qu'est-ce qu'il y a, Laetitia? Je sais pas, ça pique, ça, c'est gluant, il y a de tout, je crois. Fouille bien, Laetitia. Ben oui. Je me demande si on va... Allez, c'est bien. T'as le temps. Il y a peut-être quelques serpents, déjà. Où se méfier. Laetitia, tu ne dis pas déjà. Tu les fais toutes, Laetitia. Alors, les poils, ça pourrait correspondre au rat que l'on voit au-dessus d'elle. Et l'aspect gluant, à mon avis, ce sont des petits serpents. Donc, bon, il ne faut pas trop lui dire. Il vaut mieux pas. Laissons-la fouiller. Ouais, c'est bien la technique, là, Laetitia. C'est très bien, là. Tu fous bien au fond. C'est très bien ce que tu fais. Je l'ai. Ouais, j'y vais. Génial. Montre-nous tes mains. Ça sent bon. Je sais pas, il y avait des trucs qui piquent, des trucs gluants, des trucs qui ressemblent à des serpents. Il y avait c'était tout. Pas trop trouillarde, toi. Hein. Ben, c'est pas. Mais c'est la hein? C'est pas mon truc quand même. Moi, je n'irais pas mettre mes mains là-dedans. Hein. Bon. Et puis, eh ben, c'est la dernière clé. Bah ouais, c'est bon. En avant. Bravo. Dernière clé, il reste un petit peu plus de... On m'aide, parce qu'il me faut des lunettes. Voilà, un petit peu plus de 29 minutes. Bravo, vous avez vraiment été brillants. Très, très bonne équipe. Cette clé, en si peu de temps, qu'est-ce que t'en penses, Passepartout? C'est pas bien. Hein? Il est content, aussi, Passepartout. On va peut-être... tu peux peut-être éviter de t'essuyer les mains sur mon blouson, ça serait pas mal. Bon, cette clé, tu vas libérer la prisonnière. Hein, et puis nous, on va retrouver Patrice devant la porte de la salle du trésor. Bravo, bien joué, elle est aussi belle. Cette clé, d'accord. Mais vous croyez-vous les aventuriers au bout de l'aventure? Au bout? L'aventure commence. Hein? L'aventure commence. Vite, les clés dans les serrures, s'il vous plaît. Même Laetitia, qui n'est pas dispensée de clés. La pauvre, elle n'atteint même pas la serrure. Tandis que Passepartout arrive au galop avec la prisonnière, c'est un des travaux qu'il préfère dans le fort, aller chercher les prisonnières. Comment ça s'est passé, cette incarcération? C'était terrible. Terrible? Vous avez pensé à vos camarades? Oui. Très très fort. Ils ont eu les sept clés sans vous. Bah oui. Vous aurez quand même la chance, l'honneur et l'avantage de participer maintenant aux aventures qui vont vous permettre de découvrir les indices, qui vous permettront d'avoir le mot-code, qui vous permettront d'accéder au trésor. Nous sommes bien d'accord? Répétez. Qui leur permettront de faire beaucoup de choses. Les faire beaucoup d'aventures, pour avoir beaucoup de choses. Vous dites n'importe quoi. Bien. Les premiers indices sont, ou le premier indice, dans les mains du père Foura, votre intellectuel. Comment vous le sentez? Fort. Vous pensez qu'il aura le premier indice? On espère. Je vous fais un pari que non. Un boyard. Père Foura. Voici les trois définitions. Mon premier indice salit celui qui le livre. Premier indice, rougit sans être timide. Rougit. Le faire? Non. Et mon premier indice faisait traîner les pieds. Pantoufles? Les faire, les bouler? Traîner les pieds? Le faire? Non, eh bien non.
Vous me dites. Le fer, croiser les pieds, rougir. Boulet, vous m'avez dit. Les braises. Boulet, oui, boulet. Ah, le vent, la pluie et vous-même qui répondez bien trop rapidement, cela ne me réjouit pas, mais vous êtes sympathique, c'est boulet. Boulet rejoignez rapidement un vieil ami à moi qui vous attend pour le deuxième indice, le professeur court-circuit. Bien, Belfouras. Descendez, dépêchez-vous. Ah, ça s'arrange pas, hein, je parle du temps. Ça ne s'arrange pas du tout. Venez-vous planquer, petite Sophie. Laissez donc les candidats se mouiller. La pluie fait des claquettes sur leurs dernières illusions. Alors, avez-vous ou n'avez-vous pas le premier indice? Votre camarade intellectuel va vous rejoindre. Dans l'immédiat, il me faut, mesdemoiselles, l'une de vous deux. Bon, alors. C'est pas un tirage au sort? Ah, le voilà. Alors, c'est boulet. Boulet. Oui, bon, génial, d'accord. Mais... Boulet, ah oui, c'est à nous. Qui va venir? Qui va venir? Non, il n'y aura pas de tirage au sort. Laetitia, non, c'est moi. Allez, bon. Allez, alors. Premièrement, face à la caméra, tendez vos mimines. Mettez-les bien en coupole. Non, mais vos deux mimines. Et je vais vous donner dans les mains 90 boyards. Mais je ne vais jamais arriver là-dessus. Ah bah écoutez, ça, vous allez faire comme vous pouvez. Hein. 90 boyards qui vont vous permettre d'acheter des mots. Oh là là, vous connaissez le principe? Malheureusement, oui. Avec le professeur court-circuit, qu'on appelle aussi de temps en temps le professeur désagrégé. Okay. Voilà. Vous allez donc entrer dans cette salle qui est derrière moi. Vous allez trouver 6 mots sous les voiles, il faut les mémoriser, après il y aura tout un parcours. Okay. Effectivement, vous allez vous tomber face au professeur désagrégé, vous achèterez les mots les uns après les autres. Quand ça sera le bon mot, il vous le dira, s'il vous plaît messieurs. Le bon mot, il vous le dira, bien entendu, on est bien d'accord. 10 boyards par mot. Simplement, si vous n'avez pas fait le parcours en 5:30, l'indice devant vos yeux, si vous êtes là-bas, se désagrégera. C'est terrible, vous avez de la chance. Vous allez être enfermé, les autres resteront sous la pluie. Je vous en prie, c'est à vous. Je serai encore enfermé? Ménate, hein, tu vas. Allez, Ménate, allez, allez. Ouais. Arche, chemin, arche, chemin, soupe, arche, chemin, soupe. Il n'y a rien, soupe, arche, chemin, soupe, bateau. Qu'est-ce que c'est que ça? Arche, chemin, soupe, bateau. Traquenard, arche, chemin, soupe, bateau, traquenard, arche, chemin, soupe, bateau, traquenard, arche, chemin, bateau. Dépêche-toi! Ben oui, mais tant pis, vas-y, tu vas perdre du temps. T'as que 5 minutes 30, Nathalie, vas-y. Arche, chemin, bateau, traquenard. Il faut
qu'elle a encore tout un parcours à faire avant d'arriver au professeur désagrégé. Elle a une phrase de tous les indices. Ça tombe. Le problème, c'est qu'il faut qu'il en reste suffisamment pour pouvoir acheter le plus de mots possible. D'autres aventures pour recueillir d'autres indices. Est-ce que vous avez, bon, j'imagine que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez qu'un indice, oui, mais commencez déjà à réfléchir. Vous pensez à quoi déjà? On a pensé au boulet de charbon aussi. Bon. Alors gardez tout ça en tête et puis on va tout de suite se diriger rapidement, passe-partout, à la deuxième aventure. Aventurier de Fort Boyard, où en êtes-vous? Combien avez-vous d'indices? Un indice. Quoi? Pour mieux qu'il ne soit pas à votre pied, ce boulet, jusqu'à la fin de l'émission. Ça la fait rire, Laetitia, c'est bien. Bien, les femmes, s'il vous plaît. Non, restez là, mais soyez un petit peu en retrait. Les hommes, tirage. Hop. Le plus petit, c'est qui? C'est le plus grand. C'est intéressant. On me rend les pailles, parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein. Vous allez suivre le fil d'Ariane jusqu'au fond du labyrinthe du fort. Vous allez tomber, je dis bien tomber, c'est une façon de parler, vous n'allez pas tomber sur elle. Vous allez tomber sur une ravissante jeune fille sur le corps de laquelle est inscrit le prochain indice. D'accord? Tout ça en 3 minutes 30, car en 3 minutes 30, la lampe qu'Ariane porte à la main, elle la soufflera et vous n'aurez plus aucune lumière, ni pour revenir, ni pour regarder, bien entendu, le mot. Sophie, vous voulez ajouter quelque chose? Pas le fil. Je viens de remarquer au bout de 2 ans d'émission que vous tutoyez les candidats et ça me fait mal. Allez, Roland, c'est parti. Allez Roland, je cherche le fil, je le trouve plus. C'est le fil. Allez Roland, ne perds pas le fil. Roland, Calme, Roland. Il n'y a pas de mort. Non. Allez, passez la chaîne. Roland, là. 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 Roland, là
Regardez par la fenêtre, vous mouvoir sur ce sol mouillé, c'est bien, il y en a un qui a déjanté dans le virage. Et Sophie qui n'est toujours pas là, ce qui m'inquiète. Ah la voilà. Bien, vous avez eu l'indice? Oui. C'est quoi? Joseph Kessel. Joseph Kessel, vous avez boulé? Et Joseph Kessel, ça vous donne une idée? Bien, alors, attendez, on reparlera de ça après. Tirage, ici tout de suite. Tirage, 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 tirage. Là, hein, vous prenez laquelle? Vous laissez la petite? Bien. Alors, c'est vous qui allez aller dans l'épreuve suivante. Et malheureusement pour vous, ce sont les femmes qui vont tout faire maintenant, puisque la prochaine va aller partir avec Passepartout pour la prochaine épreuve. Voilà. Quant à vous, chère amie Laetitia, je vous souhaite bonne chance. On peut lui dire, Sophie, dernier conseil, non? Laetitia, sois extrêmement prudente. Des gestes très lents et tout ira bien. Allez. Bon. Bon courage. Allez, Laetitia.
là là. Laetitia, tu vas vite et précis. Doucement, doucement, doucement. Voilà, très bien. Très bien. Vas-y, ouais, super. Très bien. Pose-la, reprends-la maintenant, reprends-la. Doucement, doucement. Comme un crabe. Comme un crabe, doucement. Comme un crabe par derrière. Sur le corps. Sur le corps. Le corps, simplement, t'occupe pas des pattes. C'est des gestes très lents, doucement, doucement. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Respire bien. C'est bon, c'est bon. Voilà. Sors. C'est bon, allez. Non, non, il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? C'était pas le bon. Est-ce qu'elle a regardé? Regarde. Regarde l'indice, c'est l'indice. Regarde si c'est l'indice. Je pose. Ilion. 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 I-2-L-I-O-N. C'est pas mythologique ça, Ilion ? Si, c'est boulet, mythologique ça, Ilion. Kessel, boulet, Ilion. Elle est pensée que c'est. Je sais pas, Ilion, mais c'est c'était des mots, c'était des noms. Il me semble, ouais. Je sais pas ce que c'est exactement. Il reste 9 minutes 13. Vous avez encore le temps de faire une autre aventure si vous en prenez la décision. Ouais. Capitaine, Eric. Bon, on y va, ouais. On y va. Alors, qui suivez Alain. Allez, réfléchissez. Go. Bravo, hein. Nathalie, cet objectif va suivre vos moindres réactions. Alors soyez courageux, je me suis persuadé que tous les téléspectateurs sont avec vous. Certains doivent se dire aussi qu'ils ont déjà la solution. Vous avez trois indices qui sont, on les répète, Boulet, Joseph Kessel et Ilion. Avez-vous une idée? Pour l'instant, pas vraiment. Ils ont peut-être envie de vous souffler. De toute façon, il va falloir sauter pour aller chercher ce dernier indice qui est là. Vos camarades arrivent, Sophie les suit. Sophie, peut-être peux-tu l'encourager vraiment parce que, bon, je t'ai dit tu, mais je sais plus où j'en suis. Ça va? Ouais, ça va. Enfin, est-ce que tu avais rêvé sur cette épreuve? Un petit peu, mais quand même beaucoup d'appréhension. Hein. Tu l'as jamais fait? C'est quelque chose que tu n'as jamais fait? Non, jamais. Bon, alors? Bah, chatouille. Tu fais de l'escalade? Ouais. Tu as le vertige? Bah non, j'ai pas le vertige. J'ai vu déjà quelques vols, enfin... quelques chutes, disons, en escalade, mais bon, jamais de cette ampleur. T'as un petit peu peur, t'as des frissons. Oui, là, je suis... Bon, il faut y aller. Parce que... Et les autres, allez, vous intéressez à ce que fait votre camarade? Ouais. Il faut avoir le courage de le faire. Ouais. Nathalie, un petit conseil, plonge avec les mains bien devant pour attraper l'indice du premier coup. Ouais. Hein, surtout du premier coup. Tu vas te prendre un plomb, là, Nathalie, là. Plomb de ma vie. Ça va être le plomb de ta vie, Nathalie. Ah, qu'il est loin l'esprit. Comment tu te sens? Bah, flageolante, mais ça va aller. Hein. Mais nous le faut, là. T'as juste un petit pas à faire. Je me suis dit, attends. Je sais bien qu'il est, il est dur à faire. Jamais, Nathalie. Ouais. Ton but, l'indice. C'est le but, l'indice, ouais. Mais bon, pourquoi Kessel? C'est de la trouille, les mecs, là. On se concentre un peu, vous aurez le temps de réfléchir après. Ouais. Aidez Nathalie. Nathalie, hein. Nathalie, t'es avec toi. Alors, t'as une ficelle au-dessus de l'indice, Nathalie. Ouais. Pense à choper l'indice. L'indice, tu as la ficelle au-dessus. Hein. Laissez-la se concentrer. Attends, je me tiens où là? Les mains en avant, Nathalie. Pense aux mains en avant. Pense à la mine. Il faut que je me tienne quand même d'abord. Hein. Tu penseras qu'à lâcher. J'ai la trouille, les mecs. Pas grave, ça va. J'y vais. Allez, je crie un grand coup. Là ! Vas-y ! Non ! Ah, voilà. Les mains en avant. Allez, coupe ! Ah, c'est dommage. Encore un essai ? Putain de merde ! Allez, les autres, c'est dur, on va aller l'accueillir en bas. Non, elle est courageuse, elle est. Les mains en avant, la retraite. En vrai, j'ai tout raté. Peur? Ouais.
c'est bien. Ouais, pour sauter, là, c'est quoi? C'est l'enfer. Ah bah oui. C'est autre chose que qu'on boit, hein. Oui, mais c'est la folie, hein. Ah ouais, ça va vite, hein. T'es contente de l'avoir fait? Ça va trop vite, ouais. Ça va vraiment vite, vite. Ouais, ouais, je suis contente, mais... T'as eu besoin de te cramponner, je te disais les mains en avant, mais non, il a fallu que tu tiennes. J'avais peur, c'était de basculer d'abord en arrière, et là, c'était foutu. Ouais. Donc je pensais d'abord me tenir, et après, lâcher. Mais le saut, quand on remonte, ça va tellement vite que le temps de lâcher les mains, ça y est. En tout cas, elle est quand même courageuse, il fallait y aller. Vous y seriez allés, les autres? Oui, bien sûr. Ça va, Nathalie? Oui, mais c'est bon. Quand on saute, hein. Ah ben ouais, je pense, ouais. C'est dur, hein. C'est un moment, tu t'en souviendras longtemps, je crois. Je crois, ouais. Hein? C'est une bonne expérience. Bon, le point sur la situation, il reste un petit peu plus de 4 minutes. On va, je pense, aller directement devant la salle du trésor. Et puis là, vous allez réfléchir et éventuellement décider de faire des prisonniers, d'accord? Ça va? Ça va. C'est bien, allez. Vous avez vaincu des éléments, la plupart des épreuves. Il faut maintenant vaincre le mot « coin ». Vous ne voyez pas que ces larmes de pluie deviennent des larmes de tristesse. Alors, résumons. Sophie, il reste combien? Il reste combien? On va dire tout de suite. Environ 4 minutes, je crois. Hein, c'est ça? Bien. Vous avez 3 indices. Ça ne vous suffit pas? Sacrifice. Vous sacrifiez tout de suite? Allez, alors, on sacrifie. Tilbury. Que peut-être Tilbury. Récapitulez vos indices. Récapitulez-les, ça va vous aider. Boulet. Joseph Kessel. Ilion. Ilion. Tilbury. Un Ilion, Kessel, c'est l'Afrique. C'est le Kilimanjaro. Ouais. Ouais. Mais Boulet. Est-ce que vous voulez sacrifier une autre personne? Apparemment, c'est pas clair. Ouais, vous n'avez vraiment pas assez sûr de vous, il faut sacrifier. Non, qui sacrifiez-vous? Vous y allez, les tisseurs. Allez-y. Ouais. Allez-y. Tilbury, ouais. Vous y arrivez? Il reste combien de temps, s'il vous plaît? Tirez. Allez, c'est bon. Allez vite. Tilbury. Arabe. Afrique. Cheval. Afrique. Cheval. Ah oui, c'est cheval. C'est cheval. Cheval. Tilbury, cheval. Cheval avec Kessel. Cheval. Oui. Et avec Kessel. Kessel. Alors, cheval. Cheval. Vous restez sur cheval. Allez. Allez. Serez-vous. Attendez. Serez-vous. Vous restez sur cheval. Sonnez la cloche. Faites sortir les tigres. C. H. E. Vas-y, répète. C. H. E. V. V. C'est tout. C'est fini. A et L. Les A et L. Alors récapitulez, c'est pas clair. C. H. Qui c'est? C. C. H. E. V. Deux boulets A L. D'accord, c'est clair. C. Attention, c'est très glissant. Oui, oui. Attention. Bravo les aventuriers, le mot code était donc cheval, qui demande quand même quelques explications par rapport aux indices. Boulet, c'est l'articulation de la patte du cheval, qui s'appelle la boulet. Joseph Kessel est l'auteur du roman Les Cavaliers. Ilion,
l'un des noms de la ville de Troyes, célèbre bien entendu pour son cheval. Le Tilbury est un cabriolet tiré par des chevaux et arabe, bien sûr, c'est un cheval arabe, ce qui est une race célèbre. Regardez toutes les pièces que vous avez par terre vite depuis chez vous. Allez, là, ramassez tout ça. Ça y est, tout le monde est là. Allez, ramassez tout, vite, vite, vite. Ça va, Nathalie? Les couleurs reviennent sur son visage. Elle était complètement livide tout à l'heure. Là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Hein. Vous êtes prêts? Vous avez gagné, vous êtes prêts? Ouais, vous avez gagné ce soir 107 750 francs! Ouais! Dur, hein? Ouais, c'est dur, hein? Ah, c'est moral. Oui, très moral. Hein. Vous croyez plus, là. C'est pas le loto national, hein? L'araignée, tu as été vraiment courageuse. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai même pas eu le temps de te demander. C'est pas beau, c'est me blesse. C'est pas agréable. Est-ce qu'on enlève l'émission, on n'y pense pas finalement. On y va, on réfléchit pas. On plonge, quoi. Et le saut, je pense que ça restera un grand moment pour toi. Elle était livide, hein, c'était dur. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le fait de sauter ou de rater l'indice? Rater l'indice, parce que vraiment, j'ai pensé à tendre les bras et puis c'est allé tellement vite que... C'est dur, hein, Fort Boyard, c'est pas acquis. Vous avez fait un très beau parcours, vous êtes bien débrouillé. Hein, le capitaine, Eric? Ouais. Ah ouais, là, on a eu le dernier moment. Dernier moment très, très fort. Hein. Ah ouais. Vous garderez quelle impression de cette journée? J'arrive. De cette soirée. C'est vraiment pas tous les jours. On a attendu depuis longtemps et puis c'est... Les aventuriers, vous ne regrettez pas le nom que vous avez choisi, je pense. Non. Bon, en tout cas, bravo. Vous avez l'air tout d'un coup tout mou. Ah bah, l'attention, là, c'est content quand même. Ouais, super content. Alors, on va y aller. En avant ! Bon, dépêchez-vous, prenez ce que vous avez gagné, car le bateau va partir. Hein ? Eh ouais, ça t'attend pas. Bravo. Vous voyez ce boyard, Père Froid? Vous voyez bien? Eh bien, Mister Reflex m'a pris un tour, je vais le faire disparaître devant vous. Attention, regardez. Hop. C'est magnifique. Magnifique, hein? Il est dans votre poche, Père Froid. Eh bien... Non, mais il est dans votre poche, mais il faut me le rendre maintenant. Non, merci. Si, rendez-le-moi. Non, je ne vérifie pas, moi, je vous crois sur parole, Patrice. Non, mais rendez-le-moi, mon boyard, Père Froid. Il faut mettre de l'argent de côté... pour en avoir devant soi. Ah oui, alors ça c'était le vol du jour, bonsoir.